Bon bah salut à tous pour l'épisode 6 de Uncharted Territory 3. Super map hein, d'ailleurs. Alors je me suis juste fait ça hors caméra, entre le 5 et le 6. Donc quand mon casque pètera, j'aurai un bon petit remplacement. Et donc je vous propose sans plus tarder de retourner dans la zone Desolate Blast Foundry. Alors j'ai eu la laine, ça c'est bon, mais il restait quand même pas mal de trucs à voir. Et donc on va faire ça quoi. C'est tout hein. Puis merde hein, voilà hein. Chien. Est-ce que je peux atteindre ça? Ouais, ok. J'espère que c'est pas piégé quand même. Putain, c'était dark en fait là-haut. On va juste aller voir vite fait ce qu'il y a là. Je m'attends au pire. Utiliser en cas d'urgence. Ok. Alors là-bas, il y a un squelette. Ça, j'en étais sûr! J'ai de la chance que ça m'ait pas touché d'ailleurs. Il y a un truc en bas là. Oh putain. Spawner Creeper, je l'ai vu. C'est méchant ça. Ok. Bon là-bas je pense qu'il n'y a rien. Et on va... Ben on va aller voir. On va examiner, hein. Écoutez, hein, je voulais que vous lisez. Alors déjà, c'est pas un trap chest. Donc... Ah bah ouais, d'accord, ça m'aurait aidé, ça. Putain, ça aussi. La vache. Non mais remarque, c'est bien de trouver des trucs comme ça. D'ailleurs, je vais aussi prendre les coffres, parce que deux d'un coup, c'est quand même pas mal. Voilà. Et ça, c'est juste de la glowstone. Bon. Du coup... Ouais, pour l'instant, ça va, les niveaux bottes, niveau armure... Niveau tout, en fait, c'est bon. Juste bouffer un petit peu... Puis on va aller voir ce qu'il y a là-bas en bas. Ouh, plein de charbon. Bon, moi je sais qu'il y en a ici. Petite grotte bien dark, avec des spawners d'ailleurs, je l'ai vu lui. Oh putain. non. Putain, c'était un creeper ça? Vache. Oh la vache, ouais non, ok. On va pas y aller tout de suite, peut-être. Oh putain. Oh, c'est un spawner, c'est un squelette pas normal, quoi. Putain. Bon, faut voir ce que c'est le casque. Et avant, j'aimerais bien voir... Enfin, tuer ce squelette, voilà. Les casques, ils ont protection 2, respiration 1, c'est pas mal. Comme ça je peux garder spawner en fait. Pour le farmer une fois que je veux le farmer quoi. Et ils ont une pioche, donc c'est agréable quand un spawner, quand un squelette a une pioche et pas un arc. Bon ils spawnent bien souvent par contre là. Je sais qu'ils viennent de par là. Oh, ils dropent des émeraudes apparemment. Et ils dropent leur bout d'armure. Putain c'est bon ça. Je sais pas de quel spawner ils viennent par contre. Ok, de celui-là. Oui, il y a un creeper. Surtout n'explose pas, putain. Parce que j'ai vu que de la lave coulait du plafond là tout à l'heure, donc. Bon écoutez, je vais faire un rush suicide juste pour enlever ça. C'était une fausse, il fallait pas. Génial. Putain, pourquoi il y a autant d'XP là-bas? Bon. Putain, tout cet XP là? Ah mais oui, c'est tout le charbon qui a explosé, ok. Oh oh. Oh la vache. C'est dangereux votre merde là, Bon. Alors j'ai juste gardé le spawner là-bas. Je sais pas si j'en ferai quelque chose de spécial, mais en tout cas il drop des trucs intéressants. Ouais, les pioches peut-être pas, ça non plus. C'est lui qui a droppé ça, se lance. En tout cas, c'est bon, hein, putain. J'ai du charbon, ok. Bon, bah dans ce cas, on va miner. Oh merde, y a de la lave maintenant. Bon. Tant pis. Alors, j'ai de la merde sur moi, sûrement, ouais. D'ailleurs, je rame un peu à cause de la lave. C'est pas très grave. Quoi qu'à la limite les pioches je m'en fous un peu. Ça par contre je veux bien le prendre.
Contre... Ouais, contre ça, parce qu'au fond... Ouais. Ok. Bon, bah c'est génial, c'est super bon à savoir, ça. Et j'ai pas mal de charbon. Donc ça va, c'est bien. C'est cool. C'est très très cool, même. Oh, j'avais même pas vu ça. Des pioches, 2-3 torches... Ouais. Bon, rien de très transcendant, ok. Et alors là, en haut, il y a quelque chose. Et pas de chemin pour y aller, on va en faire un. Va mettre une torche. Y a forcément un truc là-haut. Je... Ah ben en fait, non. Ok, bon, tant pis. Là-bas, il y a un squelette. Bon, je m'en fous, Marc. Ok, bon, ben, on va partir de là. Et on va aller poser des trucs à la base, parce que... J'ai quand même pas mal de bon stuff sur moi, là. Finalement. C'est une bonne zone, là. Putain, j'adore, hein. Franchement, le... Ça va m'aider, ça. Je vais pouvoir farmer ces gars-là. Ça, c'est cool. Puis me donne des pioches. Pourquoi pas, après tout. Ouais, alors, le stuff, tout ce qui est armure, je vais le mettre là. C'est excellent, hein. Franchement c'est cool. T'as fait voir d'ailleurs même si je peux pas combiner les deux. Faut voir ce que ça donne. Putain c'est bon ça. Faudra que je vois ça plus tard. Ça aussi c'est bon, franchement. Ok, plus de cuir, ça c'est cool. Les pioches on va les foutre là-dedans aussi. La potion de fire. Je vais la garder sur moi au cas où. Bon, puis on va y aller, hein. On va y retourner. Je vais faire une pause, juste. Ok, on est de retour, c'est parti. Retournons dans cette zone, encore une fois. Je veux tout le stuff qu'il y a dans cette zone. C'est tout, c'est compréhensible quand même, merde. J'aimerais bien aller, en fait, tout simplement, là. Alors comment on y va là par contre Ah bah oui c'est cet escalier là, ok. Ou la ligne de minecart. Bon on verra. Quoique, je sais pas. On va y aller, on va y aller, on va se la faire cette putain de zone. On va la torcher entièrement. Dans le sens torcher, genre on va se la faire quoi. Ça veut rien dire. Il y a toujours le zombie là, c'est énorme. C'est nul. Ok, bon. J'ai entendu un creeper. Bon. Et confiance! Et ça, c'est du zombie, ok. Bon. Bon, la zone sans trop de danger pour l'instant, ça va. Cette... Je le sens moyen, ça. Ok, donc ça c'est la ligne de minecart, ok. Dans les fours, on va tenter, hein. Il y a un stick, bah écoute. J'espère que c'est pas relié à quelque chose de fâcheux. Non. Bah remarque, je veux bien prendre les fours. Tant qu'à faire. Ça me fera du four. Et puis le coffre, bien sûr. Mais avant tout, on va se faire un petit truc plus safe. J'ai pas trop envie de tomber, moi. Voilà. Alors dans le coffre, y a du charbon, il y a des planches, il y a des sticks, il y a de l'armure en fer. Ça c'est bien ça. Et puis il y a même un coffre, j'ai envie de dire. Alors au-dessus, par contre, ça a l'air d'être la merde. Oh, pas tant que ça. En fait, y a un zombie, quoi. Apparemment quelqu'un n'aime pas bosser ici. Ok. Alors il y a une enclume, il y a un four qui contient des bouteilles XP. Ok. Ça tombe plutôt bien. Une enclume, donc ça je prends. Hein. Putain les enclumes c'est bon. Plein de cuir, ça c'est cool. Des torches, des flèches, encore une energy drink, une slime ball. Ah putain ça c'est bon. Bordel. Ça aussi c'est bon. Ouais les échelles tant qu'à faire. La slime ball. J'ai bien envie de la prendre, mais...
Bah tiens, ouais. Voilà, c'est bon. Ouais. Bon, bah je crois que cette fois, j'ai tout visité. Ouais. J'ai fait le tour de la zone. Super zone, hein, franchement. J'aime. Va-t-il se prendre une flèche de feu dans la gueule? Non. Bon, bah tant pis. Ok, ok, ok. Ouais. J'ai pas grand chose à dire là. Si ce n'est que si je vais prendre ces fours là aussi. Parce qu'en fait j'aurais jamais assez de fours, je pense. De toute façon j'ai plus de cobble du tout. Enfin je peux en miner mais j'en ai pas sur moi là. Faudra que j'en mine d'ailleurs parce que j'aurais en avoir sûrement besoin. Ouais, autant en prendre un peu maintenant. Histoire d'avoir de quoi faire refaire des pioches si jamais ça tourne mal. Ah par contre je suis full merde. On va enlever ça. Non, on va enlever ça. Allez. Bon, 8 de cobble, ça devrait suffire pour un début. Toi, tu vas crever, mais d'une force. Voilà. Là-dedans, il y avait du stuff. Enfin non d'ailleurs, mais. Ouais, non, il y avait que de la merde. Tant qu'à faire, on prend les fours. Merde, merde. Le coffre, là-dedans, il n'y avait plus rien, d'accord. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Franchement, je suis satisfait. Très satisfait de moi, là. Je suis pas mort, comme une merde. Ah si, une fois. Excusez-moi. Si, bien sûr, je suis mort une fois comme une merde. Bon, enfin. C'est pas très grave. Bon. Ouais, alors l'enclume, on va la poser. Parce qu'en fait, c'est le mur des enclumes. Les coffres, on va le mettre dans le coffre. Alors, tout ce qui est cuir, armure, tout ça, c'est là-dedans. Flèche, non, je vais garder tout ça. La slime ball, on va la foutre là. Cette épée, je sais pas si je vais pas la prendre tout de suite ou... Ouais, à la place de ça. Ok, donc du coup, ça, j'en ai pas besoin non plus. Elle est géniale, cette épée, elle est cool. Hein. Rien à dire. D'ailleurs, je pourrais la réparer, sûrement. Si, des fois que... Voilà. Et puis, bah, on va remettre... Non, on va remettre ça là. J'ai rien à faire cuire, donc, de toute façon, ce four ne sert plus à rien pour l'instant. Bon. Niveau bouffe, ça devrait suffire. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que, déjà, je vais faire une pause, puis on va aller vers la Tower of Light. Bon, bah, allons-y, donc. Hein. Tower of Light, là, on va trouver, donc, la laine magenta, je suppose. Mm-hmm. Et certainement, l'intersection 2 qui est au bout, je suppose. Ça descend grave. Waouh, waouh, waouh. C'est grand. Ah, il m'a eu. Enfoiré. Alors, il y a plein de glowstone. Ça, c'est pas mal. Il y a un spawner. Là. Ouais. C'est moyen, finalement. Juste mettre ça pour le futur. Voilà. Ouh, sympa. Bon, la zone a l'air éclairée, mais en fait, elle ne l'est pas. Hein. Enfin, pas là, en tout cas. Donc, on va d'abord commencer par désamorcer ce spawner. On va se creuser un petit escalier. Au cas où il se passe quelque chose, que je veux pas qu'il se passe quelque chose. Ah, merde, putain. Je me disais... Oh, merde. Oh, shit. C'est moyennement bon, disons. Le leader avec la citrouille sur la tête, j'aime. Vous pouvez crever tous? Ils sont tous morts? Non. L'autre, sa citrouille l'a protégé, putain. Non! Mais bordel. C'est un spawner de quoi d'ailleurs, de zombies? Alors pourquoi il y avait autant de creepers? Non, il y a encore. Ah, il y a encore. What? Il y en a encore un, putain.
Oh, mais vous faites chier. D'ailleurs. Ouais. Ah merde, j'ai fait une connerie en fait. On va remonter par là où les zombies vont me suivre, hein, de toute façon. Puis on va retourner là, finalement. Et très bien là. Voilà. Bon, eux ils vont me faire chier. Ah lol. Un bébé zombie qui a une citrouille sur la tête. Ah, mon épée est morte. D'accord. Fuck, fuck, fuck. Plan B. Pour l'instant, là. Là, ça va chier. Bon, déjà, péter le spawner. Voilà. Faudrait que j'arrête de bouffer à côté des spawners sans les avoir pété au préalable. Alors, il y a un squelette qui m'a vu. Squelette d'Halloween. Oh, putain. Alors, déjà qu'un squelette, c'est chiant. Alors, quand il y en a deux... Ouh. Drop-moi tout ce que tu portes. Non, tu veux pas. Bon, tant pis. Alors là, il y a un spawner, putain. J'ai pas mis une torche. Petite erreur, là. Voilà. Oh, il m'a pas eu. Oh, le noob, eh. Oh, et merde. Bon. Meurs. Non, mais... Ah, voilà. Alors, ce coffre m'intéresse. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Combat Gear Low. Ouh. Intéressant. Il va y avoir sûrement... Je m'attends à un arc, des flèches, des épées, de l'armure, un truc comme ça. Et bah ça tombe plutôt bien finalement. Alors, faire un peu. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, bon coffre. Dis donc. Même des torches, du cuir et tout. Waouh, waouh, waouh. Putain, c'est bon ça. Bon, on va laisser cet arc de merde là. On va prendre l'épée, bah, les épées en pierre, à la limite, je m'en branle complètement. Parce que, je veux dire, j'ai du bois et de la cobble à l'infini, on va dire. C'est bon, quoi. Prendre l'épée en fer, ouais, ça, c'est cool. Ouah, putain, la vache. D'accord, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. Bon, y a quelques coffres. Bon, on va aller voir ce que c'est que cette tour, hein, finalement. J'aimerais bien avoir un outil qui permet de prendre la glowstone plus vite. Et là, il y a des panneaux, mais d'abord, je veux mettre une torche là. Et là. Voilà. Alors c'est quoi ces panneaux? Sur du quartz. Oui, c'est pas du fer, c'est du quartz. Ah, dommage. Ok. Mais j'aime bien l'idée. Oh, faut remarquer qu'il me dérange pas. Quoique, si en fait. Oh, il y a encore un truc là-bas. Putain, mais... Mange ça dans ta face. Trou du cul de sa mère. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas safe, le passage, là, mais tant pis. Pas le choix. La 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 la. Des fois, il faut savoir prendre des risques. Ah, je suis mauvais, là. Putain, la vache, je l'ai envoyé à 10 km. Alors, petite anecdote. Est-ce que j'ai failli crever? Non, ça va. Ouais, non. Tu peux mourir, s'il te plaît? Oui, mais mourir d'une façon propre. Voilà. Est-ce que les derrière moi aussi? Chier. Donc je sais même pas sur quoi ça mène ce que je suis en train de faire là. C'est la part de mystère. On explore, on découvre. Là il y a de la lumière qui vient. D'accord. Ah mais c'est des mobs spéciaux ça encore. C'est des trucs invisibles avec une tête en glowstone. Ok. Et là il y a rien. Ouais. Cette épée elle est cool, franchement. Oh putain. C'est... Eh merde. Putain, ça l'a pas tué.
Oh la vache. Il a droppé tout son bordel. Et je peux rien prendre. Fais chier. Putain de zombie d'Halloween de merde. Bon, au moins j'ai vu le spawner. Donc on va aller s'occuper de ça. Et... si, il est là. Je crois que je vais me faire niquer là. Ouais, bon. Oh putain. Oh shit. Non, 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 non. Ouah. Quoique là, là pour le coup, j'aimerais bien que le creeper explose, vous voyez. Vas-y petit, fais ton boulot. Voilà, bien. Un bon petit creeper, ça. Bon, qu'est-ce que je peux dropper comme merde, moi? Ça. Bon, déjà ça, dans un premier temps. On va voir ce qu'elles sont, ces bottes. Light Paladin. Ok. Ah, salut. Ah, merde. Oh, putain. Wouah. Finish him. Eh, merde. Ah, bon. Ah, bah, une mort de plus. Bien ridicule. Parce que j'ai été imprudent, hein. Bon, on va y retourner, je pense que c'était pas si loin que ça. Avec un peu de chance, même, tout a des spawns. Je vais peut-être pouvoir reprendre mon stuff. Tranquille, je veux dire. Ouais, c'était pas... je sais pas. On va bien voir. Ouais, c'est plus rapide par là. Ouais. C'est même plus prudent, en fait. Wow, tout mon stuff est là. Génial. Ouais, donc je me casse. C'est bon. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Vous êtes des tueurs, les mecs. J'ai pigé, c'est bon. Vos gueules. Putain, il me suit encore. Merde. Bon, et le pire, c'est que je vais devoir faire une putain de pause. Ouais, donc, re. Pff, là, cet épisode de merde, là. Donc là, comparé à la dernière fois, on est le lendemain. J'ai pas pu filmer avant, parce que j'ai toujours été dérangé, bordel de merde. Et je me rappelle que la dernière fois, j'étais mort comme une véritable merde face à ces machins, là. Oh, putain. Face à ces putains de squelettes avec de la glowstone pour tête. Oh, mais... il y en a deux, ou quoi? Là, il n'y en a qu'un bon. Génial. Oui, alors... ok, j'ai ramé. Bon. Oui, donc j'aimerais bien me les faire une bonne fois pour toutes. J'aimerais bien continuer ce passage sans crever. J'aimerais bien trouver de la bouffe aussi, parce que... à ce niveau-là, je suis dans la merde. Voilà, ils m'ont droppé ça, ils m'ont droppé aussi une épée en or. Qui est pas si mal, hein, honnêtement, je pourrais les farmer et tout, mais bon. On verra plus tard. Ok. Alors, donc. Oui, alors la dernière fois, c'était un creeper qui m'avait eu. Donc, putain, il tombe du plafond, c'est enfoiré. Non, toi aussi, tu dégages. Tant que je sais pas. Faudrait que je vois s'il n'y a pas un spawner là-haut. Enfin, je veux dire, faudrait que j'enlève le spawner qui est sûrement là-haut. On va voir ça. Puis au pire, ça me fait un peu de cobble pour la suite. Toujours ça. T'as forcément y avoir un spawner de creeper pas loin. Vu qu'il y a des creepers qui tombent du plafond là, et c'est pas vraiment un hasard. Allez, où tu te caches, espèce de glandu. Bon, peut-être pas, hein, après. Enfin, si, sûrement, mais je vais peut-être pas le trouver, je voulais dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des torches à ce moment-là, parce que je sais pas où il est. Et qu'on va retourner dans la grotte. Tu tiens une potion qui m'intéresse, toi, dis donc. Ah, c'est bien de la fire résistance. Putain, c'est bon, ça. Quelque chose me dit qu'il avait les mêmes bottes. D'ailleurs, c'est ce que je porte. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, dégage. Il y a pas mal de coffres là-bas. Et pas mal de spawners là-bas. Il y a pas mal de mobs ici. Oh
ok. Allez-y, venez, approcher, approcher. Les coups d'épée sont en promo. Ouh. T'es un spawn naturel, toi? Un villageois en armure en or, ça fait bizarre. Ouh. Ah, si seulement vous pouvez me dropper de l'or, en fait, ça serait cool. J'ai des pommes, finalement. Alors, j'ai pas de potion de weakness, vous remarquez. Puis bon, c'est pas les deux émeraudes que j'ai trouvées qui vont changer quelque chose. Quoique, je ferais peut-être mieux de les garder, ces spawners. En même temps, j'aimerais bien que la zone soit un peu safe. Puis bon, ce qui drop, c'est pas non plus super méga exceptionnel de la mort. Enfin, je le veux quand même. Paradoxal. Ouais. Ok, je suis concentré là. Alors je sais que ça fait un épisode un peu long, mais bah tant mieux, non? Quelque part. Merde, merde, merde. J'aimerais bien avoir une meilleure source de bouffe aussi, parce que... c'est pas terrible. Bon là, c'est un peu obvious qu'il y a un spawner de creeper après, mais... je sais pas où. Ah putain, c'est ça que je voulais faire. Ouais, là-bas quoi. Ok. Toi, meurs. Merde. Putain, c'est la caverne de l'armure en or, hein, franchement. Qui... ah, c'est lui, putain. Merde, merde, merde. Petit repli, faut que je bouffe. Attends, petit repli et en même temps... t'arrives pas à monter? C'est ballot. Merde, il est arrivé. Fuck, dégage. tu veux pas redégager hein? Speed 3, non ça m'aidera pas. Putain, je suis fou là en fait. Attendez, je vais me débarrasser d'un peu de mes trucs de merde. Genre ça là. Merde, j'ai ça, j'ai dit. J'aimerais bien prendre un peu le stuff un peu spécial qui drop. Et pour l'instant... bah écoute, ça j'en ai 3, je m'en fous un peu, voilà. Putain, j'aurais un peu de la bouffe, ça serait cool. Bah et prendre le cuir aussi, ça peut être pas mal, parce que... niveau armure, c'est pas la joie non plus, quoi. Je sais même pas d'où ils sortent. Ah mais c'est la... non, c'est pas la Fleecebox. C'est la tour qui est au fond. Je suis sûr que là-dessous, il y a un truc. Non. Bon, d'accord. Attends, j'étais pas sûr, hein. Putain. Ouah. C'est un peu chaud de progresser quand il y a que des creepers, putain. Oh. Tu as crevé, ouais. Pourquoi tu fais ça, toi? Y aurait-il un villageois? Le CD, le CD, le CD! Non, bon, d'accord. Putain, j'ai vu la flèche m'arriver dans la gueule. Magistral. Ok, vite, 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 vite. Shit! Ouah! C'est bon, je me casse! Ouah! La vache! Je suis un malade, en fait. Bon, au moins, j'ai pété un spawner. Putain. Remarque, ça fait absorption. Barre-toi, ça. Barrez-vous, bordel. Putain, ils viennent de spawner d'ici, quoi. Hmm. Tralala. Ah merde, il a pété un coffre en fait. Putain, j'ai vu spawner. J'ai vu un spawner. Ok. Bon, au moins ça a tué le squelette. J'ai cru voir un spawner en tout cas. Genre là, non? Bon, peut-être pas. Non. Je veux pas mourir. Alors tu ferais bien de le frapper avec ton épée plutôt. Ouah!
Ok, il y a un spoiler. Putain. Non. Je sais, c'est pas efficace. J'en ai rien à foutre. Voilà, qui réglera quelques problèmes. Bon, maintenant, il faudrait que j'atteigne celui-là. J'ai pas posé de torche. Oh la vache. Et celui-là. Tant qu'à faire. Oui, bon, ça c'est un squelette. Ça m'a l'air d'être un spawn tout à fait normal. Et ma dernière torche, elle va être là-bas, je pense. Voilà. Ça, je peux prendre un truc. Youpi. Non, pas ça. Une épée en fer, ouais, pourquoi pas. Remarque, il y a du truc enchanté là, attends. C'est quoi ça? Sharpness 2, Smite 1. Bah écoute, je vais utiliser un peu celle-là. Il y a un livre aussi, putain. Le livre, c'est Blast Protection 4. Eh, c'est pas mal quand même. Je vais me débarrasser des échelles. Bah tiens, le gâteau, c'est quoi? Je vais le poser parce qu'en fait, je vais en manger. Miam, miam, miam. La tarte, honnêtement, je préfère prendre les cookies. Les cookies. Les cookies, putain. Donnez-moi les cookies, j'aime les cookies. Et là-dedans, il y a quoi? Oh. Bah ça, je veux bien le prendre. Non, c'est de la glowstone normale. Je sais pas pourquoi je rame. Je rame un peu, là, ça va pas trop, là. Je me dis qu'il y a Avast qui va pas tarder à dire bonjour. Oh là là, non, attends, c'est injouable. Bon, tout à coup, ça va mieux. C'est vrai, j'ai pas de torche, merde. Putain. Mais, bordel, qu'est-ce qui se passe? Non, non! Putain, ça, c'est dégueulasse! Attendez, vous voyez comme je rame, là? Oh! Un FPS! Bon, pause. Pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, là? 13 FPS, oui, c'est mieux. Ah, voilà. Non, voilà pas. Bon, le mieux, c'est que j'arrête cet épisode-là, parce que... il veut plus, là. Non, honnêtement, je sais pas pourquoi, en plus. Donc, cet épisode, qui est quand même vachement long et vachement découpé, et pas pratique pour moi, je vais l'arrêter ici, et on se retrouve dans le prochain. Donc, bah, putain de merde. Je vais vous dire salut à tous, portez-vous bien, et joyeux Noël. D'ailleurs, oui, pendant ce temps, je vais rentrer à la base, je vais organiser un peu mon stuff et tout, parce que c'est le bordel, voilà. Allez, ciao.